Et on reprend YouTube. T'as droit à ta petite pause. Ok, donc draw event, on va filtrer. On va régler ça. Donc c'est le scénario 1, le fait qu'on envoie au client. Il me dit qu'il me manque le client player A. Ce qui est chelou, c'est que le serveur scénario, normalement, me crée. Il me fait un fake serveur adapter, dans lequel je lui fournis des client IDs. Les client IDs, quand on le crée, on prend les players. ID. Et là, on fait un in-memory event interactor. Donc c'est pas là qu'on a l'erreur. C'est plutôt là. On va plutôt faire... vérifier si j'ai bien un client interacteur de configurer. Non. Il n'est pas configuré. Donc il y a un truc qui lui va pas. Déjà le truc il est dans le constructeur. Pourquoi j'ai mis undefined? Non, déjà. Quoi qu'il arrive, on fournit des clients interactor. Fake server adapter. Je fais un clay. Donc, à la limite, ce que je peux faire, c'est console log. Client IDs. Là, il y est. Bah non, mais là, il marche. Alors, c'est lequel comme événement qui déconne? Ah, c'est le 4. Ah, c'était le 4. Le 4, c'était quoi? Serveur scénario. Alors, lui, il était chelou ce scénario là, c'est que j'ai l'impression qu'il sert à rien. Ah là, c'est avec un false et là, c'est avec un true. Ouais. Bah, je vois pas trop la différence. Je vais piquer ça pour voir si ça envoie les false aussi. Mais pas trop la différence entre les deux. C'est peut-être un truc qui sert à rien.
Ouais. Oui, donc là, false, oui. D'accord. D'accord. Par contre, on va virer les vieux logs de merde que j'ai mis. Les vieux logs que j'ai fait traîner, là. C'était de la merde. C'est de la merde. Ouais. J'en avais mis un là aussi. Ok. Bon bah ça c'est bung. Encore heureux que mes test suites sont là, hein, parce que si j'aurais voulu faire la refacto sans cette test, sans la test suite originale, j'aurais été en galère. Là les draw events sont réparés. Qu'est-ce qu'il nous reste? Destroy event. Qu'est-ce qui va pas avec ce destroy event? Destroy. Ok. L'événement 9, il va bien. L'événement 8. Il y a un truc qui manque. C'est le player annex turn button qui manque. Donc, on va faire un make. Référence. Qu'est-ce qui te manque, ça? Ok. Ok, donc il reste les trois. Donc on a une tour. La tour, il y a pas mal de choses qui lui vont pas. Il lui faut make entity référence. Une tour. Et qu'est-ce qu'il lui faut? Là, il faut un player A avec des anti. Ok, donc pareil. Make entity. Make entity référence. Paf. Donc normalement, il reste le player A qui n'a plus de tour en référence. Ok. Destroy 2. Il faut un robot avec entity. Référence, toujours. Olé. La quantité référence, player A, avec le robot. Okay. Ensuite, destroy 1. Là, il faut un match avec entity référence. Et il faut une grille. Ok. Et là, par contre, les vérifications de fin ne me plaisent pas du tout. Je veux bien vérifier. Dans quel état
se retrouve la fin. Normalement, j'ai plus de grille. J'ai dégommé la grille. Qu'est-ce qu'il me dit? Mais non, ça c'est un destroy match. Donc en fait, il me reste la grille. Il me reste la grille et j'envoie un événement de destruction de grille. Ok. Ça me va bien. Make. En fait, je garde la grille. Et je lui vire l'entity référence par contre. Là, je ne lui ai pas défoncé. Alors, il faut peut-être que je lui délink. Justement, là, j'ai pas délinké. Bon, là, c'est pareil. Il me manque des tests ici. Parce que je testais juste une seule entité. Maintenant, il faut que je teste tout. Ah bah non, je suis con, hein. Il est déjà là. C'est ça qui dégage. Ah là, faut que je remplace plein de tests. On s'en fout. Ça, on s'en fout.
not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another. Alors là, qu'est-ce qui lui va pas? Ah oui, c'est. J'avais pas viré. J'avais pas délinké. Alors. Lifecycle. Lifecycle, destroy. Event. Un match destroy. C'est ça qu'on dégommait. Ah, c'est ça. Un match destroy. Donc un match destroy. On a récupéré toutes les entités références. On a préparé les destroy events. Par contre, on n'a pas. C'est bien de... Ça aurait été bien de... délinquer. Link entity.
Et là, par contre, si... Ok. Ça c'est bon.
Create. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Un entity de référence de Match ID.
Pourquoi j'ai besoin d'un match? Ah oui, j'ai besoin de choper le joueur. Pourquoi j'ai besoin de choper le joueur pour créer la grille? Pourquoi j'ai eu besoin de ça? C'est là. Donc, il y a la création de la grille ou la création de la selle. Ah oui, c'est pour choper les joueurs. Ça, j'ai besoin des joueurs pour afficher derrière la cellule. À chaque joueur. Oui. C'est pour ça que j'ai besoin des joueurs à chaque fois. Ok.
Là, c'est les entités références qui vont pas. Ouais, c'est le simple match button. C'est là, il a pas de ref. Ok. Ah putain de Taras, pardon. Bref. Okay. Il lui faut un petit peu de monde. Donc un player avec un simple match lobby. Un player à main menu. Il n'y a pas. Ok. Référence. Main menu. Main menu, j'ai dit. Et. Entity type. Player à main menu, il est là. Simple match lobby, il est là. Non, en dessous.
Ok. C'est mieux là ou pas? Presque. Il manque un composant lifecycle. Ok. Là, pareil, sur le 8, il lui manque un petit life cycle ici. Ici, il lui manque quoi? Le match. Petite référence. Notre match. Là. Ok. Make life cycle. Donc ça, c'est la création de notre grille. Ouais, c'est ça. Passion de la reine, on va dire. Make life cycle. Il manque un petit truc, qu'est-ce qu'il lui faut? Une entity référence de match. Et où? Ah, il est là. Je l'avais déjà fait. Et par contre... Ah oui, ok. Ça, c'est pour référencer la grille sur le match. Ok. Ok. Là, qu'est-ce qu'il lui faut? Il faut un life cycle en plus. Ah ouais, il y a plein de trucs là que j'ai pas mis là. Donc mec, life cycle. Il lui faut quoi? Il lui faut un entity référence juste avant le physical, ok. Entity référence. Je sais pas ce qu'on met. Ok, donc là, ce qui lui va pas, c'est... Ok, il a besoin du joueur. Type player. Ok.
TTIDs. Là, il y aura. Pareil, on a la hitable offensive. Non, il manque le life cycle aussi, pareil. Et il me faut l'entity référence. Ah. C'est vraiment pour l'affecter au joueur. Simple Match Lobby, il est censé avoir Entity Référence et Life Cycle. Ok, on va lui rajouter ce qu'il faut.
Ok. Alors, on en est où? Encore un peu de merdasse. Mais on a bien réduit hein, quand même. On était à 200 tests ce matin en gaufrette là. Ça prend du temps, mais on arrive au bout. Ok, donc les collisions. On commence au 18, donc il nous manque des choses. Il nous manque des entity références. Ah non, là il me manque un contrôleur. Mec, contrôleur. Donc le contrôleur, c'est le pointeur. Et un contrôle status active. Un contrôleur d'un côté, ensuite on a un phasing. Un petit phasing pour notre match. Et ah bah je suis con, il est là. Le phasing il est ici. Il était juste pas dans le bon ordre. Ça c'est bon, on a un phasing, ensuite c'est que des entity références. Donc... C'est chiant que ça remet dans le désordre. C'est vrai que je trouve un moyen... de lister dans le bon ordre quand j'ai des erreurs comme ça. Je vais filtrer sur ma feature de collision. Ah, il nous manque une entité référence de Player C Tower. Ouais, c'est vrai que celle-là, je l'avais pas mis. Donc. Make. Entity référence de Player C Tower. Et par contre, ouais, il y avait Player C. Ok. Le phasing est pas bien placé. Le phasing, normalement... Non, normalement, il est au-dessus. À moins que je suis... Oui, non, moi, j'ai passé un autre test. Ok. Le 15. Le 15. Le phasing est pas bon. Il faut que je le remonte de deux crans. Non, c'est avec mon match. Okay. Phasing va avec le match. Je relance mes tests. Est-ce qu'on est bon? Presque. Il me manque un contrôleur. Le contrôleur, c'était au niveau du player à pointeur. Ok. Le 14. Là, il me manque pas mal de choses. Le match, on va le mettre tout en haut. Avec une phase. Player à pointer. Il a des anti... Ah, il lui manque le contrôleur. Ok.
Ok, le 13, il manque des choses. Et non, il y en a dans le désordre. Ok. Le match, on le met tout en haut. La grille aussi. Et ensuite les pointeurs. Ok. Match. Déjà, le match, c'est l'entity référence. Voilà. Ensuite, la grille. Ensuite, le pointeur avec un contrôleur. Ça peut être pas mal. Ouais. Pareil, cellule. Donc le match en haut, la grille en haut, le pointeur. Okay. Match, grille. Non, le match a son phasing, je suis d'accord. Le pointeur avec un contrôleur. Hop. Alors, player A. Ok, il me faut un player B. J'ai pas de player B, c'est parti. Ensuite, j'ai un player A pointer. Il me faut un player B pointer. Alors, le collision système.
ça doit être mieux. Okay, donc là, j'ai un petit souci d'entity référence au niveau de la collision 6. Ok. J'ai mal placé le truc. Et là, alors collision 6, qu'est-ce qu'il me dit? Oui, on est censé avoir un contrôleur au niveau du pointeur. Il est là. Le contrôleur. Paf. Alors, collision 5, qu'est-ce qu'il veut? Pareil, il manque un contrôleur. Le phasing, il est pas bon. La grille. Collision 4, le contrôleur aussi. Collision 3, il faut un contrôleur. Par contre, il faut un match avec ça. Le 2, il faut un joueur A, il faut un pointeur avec un contrôleur. Simple match button. Ah bah je suis con, non, il y a déjà un contrôleur. Débile. Déjà un contrôle. Ah oui, c'est parce que... Oui, ok.
Ok. Okay, donc là, il lui manque pas mal de choses. Bon, j'avais déjà un phasing, connard. Déjà un phasing. Player à tower avec des positions. Par contre, il faut un player à. J'ai oublié de filtrer. Le truc que je peux faire, c'est justement dire que il n'y a rien qui bouge. Il se passe rien parce que là, l'attaque n'est pas faisable. Ouais, c'est ça, quand t'attaques. Et là, qu'est-ce qu'il lui faut? Je vais donner une anti. Ah oui, non, l'entité référence est peut-être mauvaise. Ah non. Ça a l'air bon. Par contre, c'est peut-être mon joueur. Ouais, mon joueur, il a pas l'air. Ah, quoique. Non, ça a l'air bon. Qu'est-ce qui lui va pas? Ah. Non, mon player A, il est là. Qu'est-ce que. C'est un zen d'ailleurs. Je comprends pas. À moins que. Ah putain, il s'appelle pareil. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, ça je sais où ça déconne.
Ouais, voilà. Là, c'est le 15 qui va pas maintenant. C'est la 14. La 14, qu'est-ce qui lui va pas? Ok, lui manque des entity références. Ok.
Thank you.
Thank you.
Ok, on arrive au bout. Est-ce que ça marche si j'envoie la purée? Qu'est-ce qui se passe si j'en mets 10 là? On arrive à émettre et recevoir des clients. Émettre et recevoir des événements, que ce soit. Que ce soit en. En in-memory ou en SSE. Ça, c'est plutôt cool. Ce qui veut dire que plus tard, si j'ai envie de me faire un kiff WebRTC, je vais pouvoir faire du WebRTC avec ça. Putain, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Ah merde, oui. Oui. Position. Position. Qu'est-ce qui. Il faut un player ID aussi. Pourquoi 141 alors qu'avant j'en avais d'autres? Ah si oui, j'en ai viré. Ça, c'est pas mal. Cool. Alors, la prochaine fois... Bah, je vais faire un petit résumé. De ça. Des bisous, YouTube. Je fais la vidéo de résumé dans la foulée.